Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous allez l'entendre, je suis encore malade. Voilà. Désolée. On voit la ring light. Bon, c'est pas grave. Hein? Voilà. Vous savez que vous êtes éclairés. Pour cette vidéo des colos terminés du mois de novembre. Je me suis dit pourquoi voilà filmer maintenant. On est le 28. Allez. Est-ce que je vais finir ce que j'ai en cours d'ici? D'ici la fin du mois, peut-être, peut-être pas. Donc, je vais commencer par vous montrer mes encours. Donc, j'ai ce grincheux dans le grand carré portrait que j'ai entamé lors d'un live, me semble-t-il, la semaine dernière. Mais j'ai pas. Voilà. Le fond me laisse dubitative, comme souvent dans ce livre. C'est pour ça que vous allez retrouver plusieurs fonds avec du gesso noir. Voilà. Parce que je ne comprends pas tout le temps les fonds. Voilà. La fenêtre, je ne la comprends pas, là, par exemple. Je ne comprends pas qu'est-ce que c'est que ces trucs-là. Voilà. Là, je veux bien que ce soit un bout de fenêtre, mais ça, c'est quoi? Le rond, là aussi, il est un peu spécial. J'ai fait du bois, mais je sais pas ce que c'est. Là, j'ai supposé que c'était un tonneau. Voilà. Vu que pas moyen de trouver une image de ref, c'est pas simple. Mais là, je suppose que c'est la maison, hein, mais là, la fenêtre, elle me laisse perplexe quand même. Donc, je vais essayer de continuer ça aujourd'hui en live, de toute manière. Mais entre-temps, ils sont mes livres. Ils sont là. Est-ce qu'il est tout en dessous? Ah oui, mais je voulais vous montrer mes encours. Au début, je suis bête. Hop. Entre deux, j'ai commencé un mystère dans le Mickey Donald & Co. Because j'étais pas en forme, quoi. Donc, maladie oblige. J'ai voulu faire un truc sans prise de tête. Donc, voilà, je fais ça. Il me reste le fond à faire. Mais clairement, je ne ferai pas le fond comme il est prévu qu'il soit fait. Tout ça, tout ça. Hein, j'ai pas respecté. Tout, tout, tout. Hein, donc là, le fond, je pense que je vais prendre de pastel à l'huile. Je pense que je vais faire un fond violet, je pense, avec trois violets différents, peut-être. Je vais voir. Mais j'ai plus que ça à faire sur le colo, donc il faudrait que je m'y mette. Désolée si vous entendez ma machine, en fait. J'ai laissé la porte de ma salle de bain ouverte et ma porte de chambre aussi. Enjoy! Quoique, peut-être qu'il coupe les bruits. Donc voilà, ouais, il me reste celui-ci à finir le fond, sinon pas trop prise de tête, hein. J'ai pas, je voulais pas. Donc et celui-ci à terminer. J'ai que ça en encours. Si j'ai l'Atlantide, mais l'Atlantide, il est hors catégorie, d'accord? Ne parlons pas de sujets qui fâchent, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sinon, je vais vous montrer aussi des colos que j'ai oublié de vous montrer précédemment dans les précédentes vidéos. Voilà, parce qu'il y avait des challenges ou comme celui-ci, le Serenity. J'ai fait un colo en live. Voilà. C'était pour le colo challenge du Japon de Didi, mais j'ai oublié de lui envoyer, me semble-t-il. Et j'ai oublié de vous la montrer en même temps. Voilà. Du coup, ça fait un bail que je l'ai fait. Hein, ça fait un bail. Mais bon, il y a du poli pour les cheveux, du prisma pour la peau, comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Et le fond, c'est avec les pinceaux tout raides, là. J'en ai un sous la main, le pinceau tout raide. Est-ce que je peux faire ça? Pas de soucis. Oh, non, j'ai une chaise à côté de moi, mais voilà, je peux prouver. Mais tiens, oh. La chaise est déjà blindée de bouquins. Donc. Non, je vais pas avoir dessous la main. Je sais pas où c'est. C'est les ceux avec les poils durs. Ils sont petits et vous avez différentes tailles. Et voilà. Bref, c'est de la paille. Enfin, voilà, c'est les pinceaux vraiment tout basiques que j'avais acheté sur AliExpress. Non, j'en ai pas sous la main. Mais voilà. C'est du stylo gel hybride, c'est pas du Midas. Ouais, c'est ça. Fallait appuyer un petit peu de paillettes quand même. Voilà pour le colo. Dans le Serenity Ellie, Anastasia, Ellie, Koldareva. Qu'est-ce que je vais faire de mes bouquins maintenant? Ah, c'est compliqué. Et des piles, il y en a partout.
Par contre, du coup, les colos pour ce mois-ci, je vous les montre parce que bah sinon je vais faire comme l'autre, je vais oublier. Je lui ai envoyé, donc normalement c'est bon. J'ai pas oublié. Donc, j'ai fait celui-ci avec Cassie. Cassie McKay. Les bisous. Dans le Nounours Thérapie, du coup, les petits carrés Art Thérapie. Chez Hachette. Du coup, il y a du stylo gel hybride, forcément. Hein, parce que du coup. Sinon, je sais plus. Déjà. Est-ce que j'ai mon petit carnet avec ce que j'ai écrit? Celui-ci, oui, date du mois dernier, donc c'est dans le dernier. Du drawing, du poly, du prisma, des aquarelles et de l'hybride. Enfin, oui, stylo gel hybride que j'ai passé la main alors que c'était pas séché, bien entendu. Une grosse bavure. Bref, c'est moi. Et voilà pour ce colo. Voilà. J'en ai fait carrément celui-là. C'est jamais un défaut. Ouais. Attention, Bella, te fais pas assommer par les... Hein? Sinon, celui-ci, vous l'avez aperçu dans la vidéo des colos, la vidéo présentation du livre de coloriage. J'ai mon nez qui coule. Au secours. On adore être malade. Pareil, je lui ai envoyé, donc c'est bien. Alors, celui-ci, j'ai utilisé des aquarelles. Oui, c'est le Midas. Là, par contre, c'est le Midas. Les aquarelles pour le fond, là, j'ai. Non. Là, peut-être. Là, c'est du néocolore. Je vais pas noter néocolore. Pourtant, il m'a semblé. J'ai utilisé du néocolore pour le fond, des drawings pour le bois. Pentel hybride. Pour le modèle signaux argent pour le petit pichet là, mais ça rend pas ouf. Enfin, franchement, les signaux, je suis pas fan des signaux, hein, franchement. Ah oui, c'est le livre qui se détache. Ouais, sinon, ouais, Prisma, Pentel hybride, drawing. Et oui, aquarelle pour voilà, pour les fleurs. Et puis, le cœur, les fleurs et peau hybride. Ouais. Donc voilà pour ce petit. Hop. Challenge de Dysiaque. Ensuite, ben, on va passer sur les colos de ce mois-ci. Par contre, mon petit carnet est où? Là. Voilà, parce que. J'ai noté, oui, bien sûr, j'ai noté. Comment c'est un nouveau carnet, bien entendu. Voilà. Alors, pour le premier. Non, il y en a un, oui, du coup, je peux pas vous le montrer. C'est pour. C'est quand qu'elle fait le reveal? Je crois que c'est. Il y a encore tout le mois de décembre. Donc, explosion de couleurs de. Pour le challenge de Gaïoul. De Gaël. Du coup, celui-là, je vous le montre pas. Est-ce que je vais réussir à y penser le mois prochain? Je vais me mettre une petite ressortir. Vidéo. Décembre. Hop. Ensuite. Dans le grand carré, c'est la fête. J'y suis enfin retournée. Enfin. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai fait ça. J'ai fait Tiana et Navine. Avec les combos de Mademoiselle Disneyland. Au Prisma. L'encre blanche Colorex. J'ai utilisé Lino Color 2, Hybride AliExpress et Jelly Roll. Et il y a du Seigneur Liban. Je l'ai pas noté, mais il y a du seigneur ben, aussi. J'ai encore du mal avec la peau de Tiana. Je l'ai pas encore fait assez, assez foncé. Voyez bien le Pentel hybride, hein, bien entendu, bah, parce que c'est William Ball. Hein. Willy nous a fait des trucs art déco. Voilà. Donc, faut voir des côtés, quoi. Hein? Voilà.
Va pour ce coulo. Je suis pas fan. Voilà. Bref. Ensuite. Ah, tout petit colo. Ça compte, hein? On m'a dit que ça comptait, hein? J'ai demandé. On m'a dit que ça comptait. J'ai fait. Voilà. Cette petite fiole de potion. Dans le Aksan Stugad Anna Carlson, édition Toucan for Lag. Voilà, donc il y a du supervision, c'est sûr. Voilà, j'ai écrit que ça. Donc. Supervision, je sais pas si le bois c'est du drawing ou si c'est du prisma, c'est peut-être quand même du prisma. Ouais. Enfin bref. J'adore les aquarelles supervision. Toujours, toujours. Forever and ever and ever. Et il y a du jelly roll blanc. 10. Petit colo. Ah, j'ai rien fait d'autre, hein. Bah non, bien entendu que non. Bah non. Non, c'était la saison, hein. Ah là 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 là. Bonjour. Ensuite. Ah, le colo. Bah du coup, je sais pas si je pouvais vous le montrer. Pour le colorion ensemble. Nanana, je crois que j'ai pas le droit. Je sais pas. D'ailleurs, il faut que je le retouche. Je sais pas si j'ai le droit de vous le montrer, ouais, je pense. Du coup, je vous mettrai le, bah, je sais pas, le nom de la personne pour le groupe, si jamais vous voulez aussi avancer ce livre. On m'a dit. C'est pas tout du ouf. Il y a du gui et du ouf. Oui, Kalina, je parle de toi. Donc on va faire du ouf. Non, du gui. Mais le gui, c'est pas blanc-blanc, c'est gris, c'est... Non? Qu'en pensez-vous? Je sais pas faire de la glace. Qu'est-ce que je peux mettre? Bon, ça va faire chelou. Je sais plus si... Non, du style. Qu'est-ce que je peux mettre à la place? Du rouge pour le gui. Ça va faire chelou avec le gris en dessous, non? Se trouve, on va même pas le voir. Ça va faire bien dégueu. Hein? Ouais. Allez. C'est pas toi que je veux. Hop. Il me semblait qu'il y avait un petit truc quelque part. J'avais préparé, je voulais telle couleur et en fait, bon, je sais pas comment on fait. On va pas mettre du silver. C'était peut-être celui-là que je m'ai sorti du coup. Le style. Je sais pas, soyons fous. Ah, mais faut pas que je le ferme après, hein. Je vais me faire avoir. Je vous préviens, je vais me faire avoir. Et je vais maudire Kalina. Cette machine ne finira donc jamais. J'arrange pas mon couloir, hein. On est d'accord. Mais bon, à la base, il n'était pas super joli de base. Hein. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. Les petites boules. Et j'ai plus de. Avant, j'avais ceux d'action là pour faire des gouttes, là, je sais pas quoi là. Je les ai revendus parce que je les utilisais bon. Mais là, c'est vrai que ça aurait pu. Mais bon, c'était pas super qualité non plus. Hein. Ça fait c'est. C'était pas fifou. C'est vraiment dans la cam.
Du coup, là, il y a du houx, mais là, du coup, c'est même pas les mêmes tiges. Mais bon, allez, hein, voilà, soyons fous. On a dit que c'était pas du houx. Hop, voilà. On va te faire sécher. Et du coup, pour lui, j'ai utilisé Volcani en fond. Aquarelle d'Ava. Voilà, pour faire cet effet nuage. Jelly Roll Sakura. C'est les. Comment elle s'appelle? C'est juste des Sakura. Ouais, Sakura. Et pailleté. Du coup, hybride. Pentel. Drawing. J'ai ressorti les Brut Fineur 180 pour celui-ci. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, du Stickles, vous l'avez vu. Hein, ouais, peut-être que je mette du Stickles rouge là. Sur le bout, voilà, qu'il soit pas trop pas jaloux. Hop là. Je vous le dis. Il y en a marre. Mais le médecin, il a dit pas besoin d'antibiotiques. Ouais, bien sûr. Bien sûr. On voit bien qu'on en a pas besoin. Ça passe pas. Génial. Génial. Voilà. Hop. Voilà pour lui. Cette vidéo va être trop longue pour ce que c'est. Donc voilà, colorure ensemble voilà, ma petite bête. Hein, le zou, une zouf ou une. Voilà, le Zouland. Te ferme pas, s'il te plaît. Alors, ensuite, je suis allée dans mon histoire éternelle. Colo que j'ai fait en partie en live, me semble-t-il. De toute façon, c'est toujours comme ça. Hein. J'avance les colos. Hein. Donc, mon Ozotopie, que je n'ai pas compris pourquoi il faisait un flash. C'est un enregistreur, un stylo enregistreur. D'où ça fait un flash. Bref, j'ai fait un effet comme j'ai pu. Mais voilà. Donc c'est nuit les blancs et puis l'humo color jaune. Ça. Là on a du stickles dans le cœur, hein. On le voit. Hein. Voilà. On en a mis la dose. Pentel hybride autour. Sinon, c'est du Prisma. Albrecht Dürer. Qu'est-ce que j'ai noté? Ouais, Albrecht Dürer, Neo Color 2. Pour ça et l'herbe machin, sinon c'est Prisma Color, voilà pour Nick et Judy, et un petit peu d'artiste rose que je n'aime pas. Voilà, voilà pour mon colo. C'est la deuxième fois que je faisais Nick. Hop. Allez, on va la protéger. Je vais aller fermer la porte de la salle de bain, je pense, parce que cela, ça va être intenable. Elle risque de s'inviter dans la chambre, au essorage, parce qu'on va jusqu'à nous. On a envie qu'on l'entende, j'ai l'impression. Ah, mais là, c'est vrai. Tu peux pas aller fermer la porte? Non, c'est les ouvrir, c'est pas les fermer. Mais oui, c'est vrai. Un là. C'est mieux, Lana? Oh là là, ça te réveille en plus. Non, tu me chopes pas, tu m'as chopé hier, c'est bon. Hein. Eh, pas tous les jours non plus, faut pas que ça devienne une habitude. Hein. Ok?
Ouais. Ma cheville s'en souvient encore. J'ai la trace. D'accord? Ouais. Moi, j'oublie pas. Ensuite, j'ai fait du Pokéfilm, mais bon, je suis à la bourre. Hein? Je suis toujours à la bourre. Voilà. Parce que j'ai fait cette page-ci alors que j'aurais dû faire celle-ci ce mois-ci. Voilà. C'est bien. Donc, ouais, j'ai fait cette page. Est-ce que je m'enlève du truc ou est-ce que vous voyez? C'est bien parce que c'est vous, hein, franchement. Alors. Hop, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus. Tenj. Voilà. Je vais arrêter. Hein? D'accord? On va pas tenter. Donc il y a du stylo gel hybride. Non, c'est pas du hybride là, c'est du stylo gel basique que j'avais dans mes stocks. Mais j'ai eu peur que le crayon me lâche avant la fin. Vous savez, il y a les stylos gel que vous avez d'Action ou de Lidl là. Bah c'est ça. Il y a un moment où il s'est grippé et je me suis dit, oh merde, je suis dans le caca. Du coup, Prisma Intense Hybride Ali. J'ai mis Hybride Ali. Où ça? J'ai mis du hybride. Ah, là, oui. Ça, le noir, là. Ouais. Sur celui, oui. Sinon, Tinted. Pour là, tout ça, ouais, c'est du Tinted, je pense. Jelly Roll. Là, je suis en train de me demander pour le fond, ce que j'ai fait. Ah, mais... Non, pas du... Qu'est-ce que j'ai mis en fond là? Franchement, je sais plus. Et là? C'est pas du nouveau color. Non, c'est du Intense. Ah ouais, donc là aussi c'est du Intense. Ok. Non, bah d'accord. Je redécouvre. Hein. J'ai mis un peu de Colorex blanc. Je vais faire style. J'ai mis des nuages. Est-ce que les arbres, est-ce que les oiseaux, c'est moi qui les ai rajoutés? Non, mais ça aurait pu. Donc voilà pour mes Pokémon. Pas de mon retard, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je rattrape mon retard. Désolée pour les trous dans le micro. Je sais que vous les entendez, mais moi je les entends pas, du coup je le. Je les entends au montage. Donc voilà pour le Poké Postal. Ensuite, pardon, va être horrible cette vidéo. Donc, ensuite, je suis allée dans le grand classique. Non, le grand carré Bodoni classique. Grand classique. Ah, oh, c'est chiant, hein. Ils sont chiants d'appeler leurs bouquins tous pareils parce qu'on a un grand classique aussi en grand carré. Mais là, c'est le toc-toc. Au secours. Donc, dans celui-ci, si vous me suivez sur les réseaux, vous avez dû voir un petit peu des trucs. Donc, j'ai fait ce colo sur l'univers de Peter Pan. Voilà, réalisé en bonne partie en live, hein, clairement. Evolou. Le fond, c'est... Néocolor 2? Ah oui, Néocolor 2, que j'ai mis sur ma palette et ouais, d'accord. Néocolor 2 pour le fond, on a du l'hybride, voilà, on a du Prisma, bien entendu, pastel gras sennelier, signaux argent noir, signaux argent et doré. Ah oui, juste pour la pointe du parapluie, hein, franchement. Voilà, que vous ne verrez même pas. Voilà, juste pour ça. Bref. J'aime bien. Pourquoi, chaque fois que j'allume la caméra, j'ai cette envie de bâiller. Ça y est, la machine est finie. Alléluia. Et Volcani pour la lune, parce que c'est ce que je préfère mettre voilà, dans ma lune. Voilà, rigoler un petit coup. Voilà. Donc ouais. Je sais pas si j'aurais pas dû faire le tour.
avec autre chose, je sais pas, j'ai pas retouché autour. Enfin, je suis pas une. Je vais pas repasser mes traits, moi. Et j'ai mis du mot de poche dans les ailes de notre amie Clochette. Voilà. Ouais. Donc voilà. Ah, vous voyez votre petit micro. Oh, regarde. Allez, je suis bizarre aujourd'hui. Hein. Oh là 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 là, ça va être bien le live. Je vais bien vous saouler. Donc voilà pour celui-ci. Non, j'ai bien aimé le faire. Mais bon, il y a des. C'est petit, hein, franchement, il y a des. C'est abusé. Hein. Si tu veux faire des dégradés. Ne serait-ce pour colorer les yeux, tu galères, quoi. Tellement c'est petit, tu fais comment? Donc, hein, là, ça va être pareil, là, les toutes petites têtes, là. Donc voilà pour celui-ci. Et hop. Et en dernier, mais pas des moindres, le colo choisi via roulette sur la chaîne Twitch. En fait, avec vos points de chaîne, vous pouvez activer une roulette. Certains moments, quand je suis à jour dans mes colos, je peux vous laisser le choix de choisir mon prochain colo et de lancer une roulette. Voilà, si vous voulez du Disney, du hors Disney, si vous voulez que j'entame un livre ou si vous voulez que je continue un bouquin, voilà. Et c'est Cassie qui a choisi. Hein, Cassie m'aime bien, hein, vous le sentez là. Hein, vous l'avez vu, hein, elle m'aime bien. Hein. Elle m'a mis bien là pour ce colo. Donc, elle a choisi cette double page Tyrannosaure. Voilà. Mais elle a été plus rapide que je le pensais. Voilà. Et je me suis vraiment éclatée dessus. Alors, pour celle-ci, par contre, est-ce que je vais noter ce que j'ai utilisé? Alors, du Prisma, du Neocolor 2, Glossy Accent. Ah oui, pour la petite carte. Une carte à jouer là. J'ai mis du Glossy dessus pour qu'elle ressorte. Sinon, il y a du Jelly Roll blanc et du Sakura, du Stickles dans les ailes des Libellules. Voilà, Jelly Roll blanc pour mes effets d'écume là. Ouais, les Jelly Roll Sakura, je les ai mélangés pour une fois. J'ai mis différentes couleurs dans mes papillons. Voilà, j'ai utilisé différents crayons. Voilà. Alors, j'ai vraiment aimé le faire. Franchement. Et bon, bah, fonger son noir et j'ai rajouté un petit peu de couleur au niveau du volcan avec les Lumocolor permanents. Voilà, j'ai pris le rouge et le jaune. Ceci là. Les Staedtler Lumocolor permanents. Bon, je sens les lumières, merci. Donc voilà. Et le T-Rex, il est au Prisma. Ça fait des traces avec mes ongles quand je passe sur le gesso. Vous voyez pas l'écran, mais je fais gaffe avec mes ongles, ça fait des traces. Mais je l'aime beaucoup. Liam aussi l'aime beaucoup. Par contre, Doudou est sceptique quant à la couleur de mes dinosaures. Voilà. Il aurait voulu que je fasse des couleurs différentes pour chaque dinosaure. Mais je lui ai dit, si je mets trop de couleurs sur mon colo, ça va faire barioler, ça va faire bizarre et ça va pas être beau. Mais voilà. Il n'a pas. Enfin, voilà. Il ne me comprend pas toujours, vous savez. Donc, oui, j'ai voulu certains dinosaures en vert, d'autres en rouge orangé. Je voulais pas qu'il y ait trop de couleurs sur ce colo. Mais bon, après, je me suis rendu compte qu'il y avait de l'eau. Donc, j'ai pas eu le choix que de rajouter du bleu. De toute manière, là, avec la map monde. Mais. J'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Donc voilà pour le dernier. Et ça m'a permis d'entamer mon dernier Kirby. Voilà. Donc c'est cool. Vidéo beaucoup trop longue pour une vidéo colo terminée. J'espère que ça va, vous. Vous n'êtes pas au bout du rouleau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, si jamais vous voulez qu'on se fasse un petit colo en commun dans les mois à venir, c'est avec plaisir.
Je vous fais des bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bon colo à vous, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.